matin, nous, sur le massif des Grandes Rousses, on n'en a pas. Vous allez en trouver sur le massif de Belledonne, là-bas en face. Donc on s'est embêté. Mais nous, sur les Grandes Rousses, c'est un secteur qui leur plaît pas spécialement. Ils n'ont pas encore migré pour nous. Ils se cantonnent bien au secteur de Belledonne. Et il s'écoule des fois le lac, non? Ou il reste stagnant? On continue en fait, vous avez le déversoir là-bas. Hein. Ouais. Vous voyez la petite échancrure au bout du lac là? Oui, oui. Il déverse en dessous. Ouais. Il est rempli lui par celui-là qui déverse ici, hein, on le voit. Ça coule dans le lac Noir. Ouais. Du lac Noir, ça coule en dessous et puis ça descend jusqu'à aller dans la vallée de l'Odol hein, qui est en dessous. Ouais, ça sera bien, on va faire un petit bain de pied. Oui, c'est froid. Ah, t'as fait mal au pied. T'as pas que t'as pris froid. Et là, on aura pas plus de moyens pour les affaires. Il y a moins d'eau, mais il faut quand même enlever les chaussures et c'est plus glissant. Et on veut ses couches, je pense qu'il vaut mieux. Il y a rien. Même si je suis passé sur les cailloux, on se dit pas c'est quoi les chaussures basses, là. Il y connaît rien, le guide, j'ai l'impression. Là, il y a un peu plus d'eau. Et Souriez, vous êtes filmé. Ah oui, j'ai pris une photo. C'est pour mes archives. Ouais, tu me donnes ton truc YouTube. Les pieds toujours bien à plat. Et là, ça tient le mur. Nettoyer pour que ça soit présentable, etc. Mais c'est impressionnant. Les Romains avaient taillé là à une époque. C'était un marigot. Enfin, l'eau partait dans tous les sens. C'est un petit peu, je sais pas si vous connaissez Dean par exemple. Voir quelque chose, tu veux voir? Ouais, ils auraient pu. Fleurs, mots, français en train de trompette. Alors, c'est Jean-Cyan à Goule. Et il y a. Alors. Si le sol est acide. C'est beau, c'est bien senti. C'est plus. Parce qu'il y a un panneau, vous pouvez lire après. Oui. Donc j'ai parlé d'un environnement propice à ce qui est des lacs, de montagnes. On ne va pas trouver partout dans toutes les montagnes. Si vous allez par exemple en Chartreux, dans le Vercors, etc. Cherchez bien un lac. Mais vous risquez de tourner un petit moment parce que le sol n'est pas du tout imperméable. Bah, ici, là, il y a des parce qu'il y a du... Comment? Thank you.
vraiment une belle vie.